Nous sommes en ligne. 1976, en Angleterre, c'est la galère. Le chômage grimpe en flèche, la colère gronde. Du coup, le rock'n'roll se fait une nouvelle jeunesse avec un nouveau mouvement ultra basique appelé le punk rock, le rock crétin en français. Les précurseurs, les Sex Pistols, qui sont très énervés. Leur premier album, Never Mind the Bollocks, traduction « On s'en bat les coucougnettes » est vite interdit d'antenne à cause de paroles un peu trop contestataires. Alors à quoi reconnaît-on la musique punk? Eh bien c'est facile, c'est du rock basique, mais en très rapide et surtout en très mal joué. Car l'important c'est de faire du bruit pour crier sa rage. Le public, lui, adore ça, en guise de danse, il saute partout, c'est l'apparition du pogo. Bref, c'est un beau bazar. 1978, à force de sauter et de se faire bobo, l'ouragan punk s'est essoufflé. De toute façon, à l'aube des années 80, une nouvelle révolution vient de naître, c'est celle des ordinateurs. Du coup, les groupes de rock se lâchent sur tout plein de nouveaux instruments, boîte à rythme, synthé. En 1978, c'est un peu la musique du futur. Et cette nouvelle forme de rock va porter le nom de Nouvelle Vague, traduction New Wave. Et c'est tellement la folie que du coup, trop de synthé, moins de guitare, on a bien du mal à discerner le rock sous toutes ces couches de musique électronique. Du coup, le rock entame sa traversée du désert. Apparaît alors le rap, mais dans la tête de tout le monde, désormais, le rock, ah, c'est trop naze. 10 ans plus tard, aux USA, rien ne va plus. Chômage, crise, comme à chaque fois que la société est désabusée, le rock se réveille. Et cette fois-ci, il n'est pas content du tout, il va se déchaîner, c'est la naissance du grunge. Les leaders, Nirvana, qui explose en 91 avec son cultissime Smells Like Teen Spirits sur l'album Nevermind. Leur credo, revenir au vrai rock'n'roll brut avec de bonnes grosses guitares et des cris torturés dans le micro. Et y a pas que la zik qui est brute, hein, le grunge se doit d'être habillé toujours très crade. Ben oui, le grunge est déprimé et ça s'entend. Malheureusement, le mouvement ne sera pas long. Le grunge s'éteindra avec le suicide de son leader charismatique Kurt Cobain. Trop deg. À moins d'avoir migré au pôle Nord en 2003, vous n'avez pas pu échapper à ça. Ce sont les White Stripes. Et oui, c'est désormais cyclique. Tous les 10 ans, le rock raccorde ses guitares. Année 2000, crise du 11 septembre, le rock est de retour, mais cette fois-ci, pas de nouveauté musicale, on fait du neuf avec du vieux, c'est simple, on mélange tout. Du coup, ça donne du punk festif californien avec les Sum 41 et les Blink 182. Les rockers, eux, sont plus jeunes pour séduire les cours de récré, comme Kyo et Avril Lavigne, par exemple. Et même les DJ s'y mettent. Le rock se marie avec l'électro pour ressusciter de vieux tubes. Exemple, David Guetta qui reprend un vieux David Bowie. Bref, vous l'aurez compris, le rock, c'est loin d'être fini.